c'est très concret. Je comprends pas bien ce que veut dire le début de la prière du matin. Notre corps du Dharma rayonne la lumière du matin. Voilà. C'est ça? Le corps du Dharma. Le corps du Dharma. Ok. Donc, qu'est-ce que le corps du Dharma? Alors, bien évidemment, comme je pense nous tous, ben, j'ai créé du sens, mais c'est de la pure création. Alors, je me suis dit que c'était l'ensemble de l'enseignement, de la transmission. Je me suis dit aussi que c'est la réalité à laquelle on est confronté qui nous enseigne. Je vais juste, chers amis, dire quelques mots parce qu'il se trouve que la semaine dernière, dans le partage que j'ai fait le dimanche, le dernier enseignement, j'ai évoqué un enseignement de Thaï qui est dans un livre qui s'appelle L'Art de Vivre, justement. C'est un très beau livre. Vraiment, pour moi, c'est un livre refuge. Ce genre de livre que j'ouvre à n'importe quelle page et je trouve un trésor. Et dans ce livre, Thaï nous parle des 8 corps. Donc on n'a pas un seul corps, il y en a 8. Alors il y a le corps physique, mais il y a le corps de Bouddha, donc le corps d'éveil. Il y a le corps de Dharma. Il y a le corps de communauté. Et après, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus barrés. Donc, il y a le corps hors du corps, par exemple. Il y a le corps de continuation. Ça, c'est plus facile à saisir, en fait. Comme, par exemple, nos enfants sont notre corps de continuation ou nous sommes le corps de continuation de nos parents. Et puis, il y a le corps cosmique et le corps ultime. Donc, en fait, on croit qu'on est... On est ce corps-là, on a tendance à s'identifier un peu à ce corps physique. Et en réalité, on est fait de multitudes de corps. Ça, c'est très intéressant à explorer. Ça donne beaucoup d'espace, ça donne beaucoup de liberté. Et le corps de pratique, c'est effectivement ce que tu nous as partagé, c'est la richesse des enseignements. À chaque fois que, par exemple, je prends conscience que je ne suis pas ce corps physique, que je ne suis pas cette émotion, que je ne suis pas cette perception, cette pensée, mais que c'est simplement une manifestation, je suis en train de vivre et de sentir ce qu'est la lumière, le rayonnement du corps de Dharma qui éclaire mon chemin, qui me permet de sortir de l'illusion. Et une des illusions très importantes avec laquelle on vit, c'est l'illusion d'être un soi séparé. Et c'est ce qui nous fait souffrir principalement, dès la naissance. On se croit séparé. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce corps, quand on regarde chacun d'entre nous, si on est pris par les apparences, on a l'impression d'être différent. Donc là, on est vraiment au cœur du cœur des enseignements du Bouddha et de Thaï, qui sont... le non-soi, l'inter-être, l'impermanence dont on a parlé un peu hier. Donc, à chaque fois qu'on est un peu perdu, qu'on est un peu pris dans la saisie de quelque chose, qu'on s'est identifié à cette chose, on peut trouver une respiration profonde, très profonde à l'intérieur de notre corps qui nous libère et qui relâche et qui dit ah c'est ok, ça va, parce qu'en réalité on peut au moins dire je ne suis pas seulement cette chose là peut-être c'est plus facile, on peut se dire je ne suis pas seulement cette émotion, je suis bien plus vaste que ça,
Et c'est pour ça que dans les huit corps, il y a aussi le corps de sangha, le corps de communauté. Donc quand je sens que je suis un peu attrapé, resserré, étriqué dans mon petit moi, je peux m'appuyer sur la communauté. Partager avec quelqu'un, c'est déjà s'adresser à plus grand que soi, et trouver, prendre refuge, et bénéficier de la lumière, du corps de pratique de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'une retraite comme celle-là, c'est très important, parce qu'en fait, on cultive ça ensemble. Et ça me rend joyeux, n'est-ce pas ? Je le vois sur le visage. Parce que d'un seul coup, on prend vraiment conscience qu'on n'est pas seul. On partage cette même aspiration profonde. Et le corps de Bouddha, c'est le corps de l'éveil, donc c'est notre capacité à chaque instant à nous éveiller à la vie. Et Thaï s'amusait beaucoup à nous dire que nous sommes des Bouddhas à temps partiel. De temps en temps, on est un petit peu éveillé, de temps en temps, on ne l'est pas. Un petit peu perdu aussi. Mais les deux sont OK. Et petit à petit, c'est aussi l'expérience que je vis de plus en plus. Je sens que je me libère. Profondément, je me libère. Et ma disponibilité à la vie, à moi-même, aux autres, est beaucoup plus grande qu'avant. Elle est vraiment beaucoup plus grande. Donc je peux m'autoriser à rayonner plus d'amour, plus de joie, plus de présence, plus de plénitude. Merci pour votre écoute, les amis. Cher Thaï, cher frère, chère sœur, cher Sangha, nous avons eu hier les cinq entraînements à la pleine conscience et je suis toujours très particulièrement touchée par le premier entraînement sur le respect de la vie. J'ai néanmoins beaucoup de difficultés à garder mon esprit ouvert, à ne pas avoir de jugement discriminant par rapport à des décisions politiques qui sont prises contre le respect de la vie. Je suis très touchée personnellement par l'empoisonnement aux pesticides, puisque mon mari en est décédé. Je suis moi-même très malade jusqu'à la fin de mes jours, du fait de cet empoisonnement également. Et je constate qu'aujourd'hui, des décisions sont prises pour continuer à disperser des produits toxiques pour la vie. J'ai donc du mal à garder mon esprit ouvert pour des comportements qui sont d'une logique politique et non pas humaine du respect de la vie. Comment faire avec cette fermeture de mon cœur et de mon esprit par rapport aux décisions prises. Chère amie, merci beaucoup pour ta question. On va juste lire une question qui nous a été écrite et qui rejoint ton questionnement. Donc la première bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seule. Il y a quelqu'un dans une situation très similaire. Est-ce que les actions de sabotage réalisées pour la défense des droits des femmes ou de l'environnement sont considérées comme des actes de violence contraires à l'entraînement numéro 1 ou sont des actions protégeant l'intégrité de chacune
agissant contre les discriminations et l'injustice sociale, et donc aligné avec les entraînements 1, 2 et 3. Donc, dans les deux questions, on est témoin d'actes qui nous semblent contraires au respect de la vie, qui nous blessent, et donc le cœur peut-être se ferme, et peut-être même on peut être poussé à avoir des actions pour réagir à ces actions qui nous semblent violentes. Et donc, comment faire avec cette réaction intérieure, cette fermeture du cœur, face à ces actes néfastes? Et en même temps, comment faire pour montrer que, pour faire quelque chose, mais en restant aligné aux entraînements? Je ne sais pas si quelqu'un aimerait répondre. Cher Sangha, je suis content d'être là devant vous. Et de pouvoir tous vous voir comme ça. Autant de fleurs dans le jardin, de cette belle salle. Donc j'aimerais revenir à ta question d'abord. Ta question spécifique. Et en t'écoutant, je me suis dit, effectivement, ça doit être émotionnellement difficile déjà de gérer, en fait, tout ce que ça implique, en fait, par rapport au décès de ton mari, déjà, et effectivement, toi-même, avoir été empoisonné, en fait, par ces pesticides. Et la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de peut-être d'abord prendre soin de ça. Vraiment prendre soin de tout ce que ça implique. Où en suis-je, par exemple, avec... Le processus du décès de ton mari, par exemple. Parce que souvent c'est quelque chose qui est encore faire le deuil, ça prend du temps. Et aussi par rapport à l'idée de soi-même, peut-être mourir à cause de ça, en fait. Et je dis ça parce que si on veut vraiment avoir la vue juste, ça peut venir que justement d'abord avoir pris soin de ce qui est là. Et ça rejoint aussi cette question. Ma compréhension, en tout cas, personnellement, hein, la vue juste, c'est quand j'arrive vraiment à avoir pris soin des émotions, en fait, qui très fortes souvent, qui font que je sens que, par exemple, avec le premier entraînement, c'est pas juste, quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur vraiment qui dit bah non, ça va pas, non. Il faut faire quelque chose. je peux pas laisser ça arriver. Avec le premier entraînement, par exemple, personnellement, j'ai toujours eu ce questionnement par rapport à l'industrie alimentaire, et c'est lié, hein. Et le comment on traite des milliards d'animaux juste pour notre consommation humaine. Et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup touché, en fait. Et je vois que si je veux garder, en fait, suffisamment d'espace, si je veux voir clairement, il faut vraiment que je prenne soin, en fait, de ce que toutes ces émotions que ça fait monter en moi. Si je m'informe trop par rapport à ça, si une fois, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais voulu lire le livre de Mathieu Ricard,
sur justement sur le traitement des animaux. Je ne me rappelle plus le titre, parce que ça fait un moment que j'ai lu. Plaidoyer pour les animaux. Oui, c'est plaidoyer pour les animaux, merci. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter. Je ne pouvais pas le finir. C'était impossible pour moi de le finir. Parce qu'il y a toute la première partie qui est le constat, en fait, de où est-ce que nous en sommes, et encore, c'était il y a 10 ans. Donc je connais, je n'ose même pas imaginer la situation maintenant, mais en fait, je voyais bien que j'avais mes limites par rapport à ça, et qu'il fallait que j'arrête à un moment donné, parce que j'étais dans un... Il y avait une partie de moi qui pensait que je devais me forcer à lire tout pour arriver à la fin, ce qui n'était pas faux, parce qu'à la fin, normalement, il me semble que la fin de ce livre, que j'ai jamais lu, j'ai terminé, c'était plutôt justement sa vision profonde à lui, de Mathieu Ricard. Donc ceux qui ont réussi à lire jusqu'au bout, vous pourrez me dire. Je connais d'autres personnes qui l'ont lu, hein, d'autres frères, et ils m'ont dit qu'effectivement c'était ça. Mais moi j'ai bien vu qu'au bout d'un moment, alors là ça m'a dépassé complètement, et ça... Il y avait quelque chose qui se fermait en fait en moi. J'étais plus capable de faire rentrer plus d'informations, parce qu'en fait c'était trop. C'était juste trop de souffrance en fait, pour moi. J'étais trop sensible au sort des animaux, dans le domaine agroalimentaire, en fait. Et sensible aussi, par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai appris aussi à être sensible aux gens qui travaillent dans ces domaines aussi. Qui, pour des raisons souvent économiques et sociales, se retrouvent à participer à ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'était très clair pour moi qu'il fallait que j'arrête, en fait. Que j'arrête. J'avais suffisamment d'informations, et j'en avais eu déjà beaucoup avant. Et quand je suis arrivé au village des Pruniers, en fait, c'était un petit peu la dernière goutte pour me faire comprendre que, en fait, toutes les informations déjà, c'est pas la peine d'en rajouter. Et du coup, vraiment, vraiment prendre soin de ça. Et ça m'a permis vraiment, en fait, de calmer les choses, de pouvoir le processer dans un coin de mon esprit, en fait. Donc j'avais déjà confiance en la pratique, je savais que c'était là. Et petit à petit aussi d'arriver du coup à prendre du recul, en fait, par rapport à la question. Et pouvoir, de cette manière aussi, écouter d'autres points de vue. Et écouter les personnes, où est-ce qu'elles en sont par rapport à leur propre cheminement par rapport à cette question. Et même à un moment donné, je me suis rendu compte, mais c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, je mangeais de la viande, je mangeais du fromage, des produits laitiers, et en fait, je n'avais aucune idée de d'où ça venait, par exemple. Ou des produits pleins de pesticides, sans avoir aucune idée, et je ne me posais même pas la question... Quel effet ça allait avoir sur mon corps, mais aussi en fait sur la nature et sur d'autres personnes, en fait. Et ça c'était vraiment justement une des visions profondes qui était vraiment très claire pour moi, c'est qu'en fait autant maintenant j'ai une meilleure compréhension du problème, mais finalement, parfois, quand je discute de cette question-là avec une personne, je peux... Du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas réagir, en fait, et de me rappeler que, ah oui, à un moment donné, c'est vrai que j'avais pas encore compris, en fait. C'était pas encore assez personnel, finalement. Il n'y avait pas encore assez de... J'étais pas encore assez impliqué, peut-être, par rapport à ça, pour vraiment avoir fait ce chemin, en fait. Et que c'est grâce à des personnes, grâce à des livres, que j'ai pu petit à petit faire mon propre chemin par rapport à ça, et petit à petit évoluer. Et je dis ça, c'est parce que je vois du coup que en ayant beaucoup plus de recul par rapport à cette situation, je vois beaucoup plus clairement comment agir et comment aider chaque personne à partir de là où est-ce qu'elle en est.
de l'accepter là où est-ce qu'elle en est, et plutôt que de la rejeter pour ce qu'elle va dire ou ce qu'elle fait, de l'accepter où est-ce qu'elle en est. D'accepter, voilà, c'est là où elle en est. Un peu comme justement je parlais de ces ouvriers, de, par exemple de cette personne qui tue, par exemple des milliers de poulets en 8 heures de travail, pas par nuit. Et d'ouvrir mon cœur justement à ces personnes aussi, quoi. Et du coup, ouais, voilà, ça me permet vraiment de d'ouvrir mon cœur aux personnes aussi qui sont responsables derrière. Ceux qui sont dans une logique de gain financier, en fait. Comment en sont-ils arrivés là? Et c'est de cette façon-là que je vais trouver peut-être la solution. Comment ouvrir le cœur de cette personne-là? Il y en a, ça ne va pas être facile. Hein. Une fois, j'avais vu le portrait de Donald Trump à l'âge de 6 ans. Et ça m'avait beaucoup aidé, en fait. Parce qu'à l'époque, en plus, j'étais aux États-Unis. Il venait juste d'être élu président des États-Unis. Et le matin des élections, j'étais... comme beaucoup de gens, j'ai été très choqué. Mais après, j'ai essayé vraiment de faire ce chemin, justement. Et cette photo, en particulier, m'a vraiment aidé, en fait. Pour me dire, mais comment ce petit garçon est devenu l'homme qu'il est devenu? Et après, peut-être, essayer de mieux comprendre pour savoir comment un homme peut devenir comme lui et prendre des décisions qui ont autant... qui crée autant de souffrance, par exemple. Et ça, c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est dans une logique de gain, qui est dans des entreprises de pesticides ou de l'agroalimentaire, et qui ne se rend pas forcément compte, en fait, de la violence, ou alors qui a le cœur encore fermé par rapport à ça. Bon, aussi, c'est peut-être parce que aussi j'ai aussi l'apprécié. Pour moi, je cherche vraiment la solution non violente, où est-ce qu'on peut ouvrir le cœur des personnes pour pouvoir justement changer la situation. Et je ne dis pas que, bon, il n'y a qu'une solution. Et parfois, il y a des violences, un petit peu comme c'était décrit dans la question, qui... pour moi, c'est encore une vraie question, en fait. Jusqu'où on devrait aller pour réveiller un petit peu les gens, justement. Mais j'aime bien, il y avait une réponse du Dalai Lama qui était pas mal, qui disait, si quelqu'un essayait de vous tuer, si vous avez suffisamment de compassion, peut-être que vous allez pouvoir lui tirer une balle dans le genou, et puis après, venir l'embrasser. J'avais beaucoup aimé cette réponse, parce qu'il y avait ce côté assez pragmatique qu'en fait il fallait l'arrêter, il faut arrêter cette personne, mais le faire d'une façon la plus compassionnée possible, en fait. Et donc j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens qui essayent de réveiller un petit peu la société par rapport à toutes ces questions environnementales, donc, par exemple les pesticides, mais aussi la situation de notre planète, et comment on va dans on exploite de plus en plus notre planète, on est de moins en moins connecté avec elle. Donc voilà, c'est des quelques pistes pour que tu trouves ta réponse. Merci. Cher Thaï, cher frère, chère sœur, cher Sangha, je me pose la question suivante. Que faire
face au sentiment d'antipathie que je peux concrètement ressentir à l'égard de certains de mes proches. Pas forcément proches d'ailleurs, j'ai concrètement, quand je suis avec des amis, il n'y a pas de souci. Et il m'arrive de croiser sur mon chemin des personnes avec lesquelles je peux me lier d'amitié pendant un temps. Et au fur et à mesure, je sens que je n'ai plus envie d'être en contact avec ces personnes. Voilà. Donc, que faire dans cette situation ? Puisque je sens comme un tiraillement entre un côté, une envie d'être de couper le lien, et de l'autre côté, une envie de peut-être de comprendre. Donc, cher Taïchan Sanka, merci beaucoup pour ta question. Et je pense que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous en traversent. Et c'est vrai que les frères et sœurs, comme on vit dans une communauté entourée de beaucoup de personnes, pour moi, ça me donne l'occasion d'observer ce qui se passe en moi dans des situations comme tu les décris. De ce que je comprends dans ta question, il y a des personnes autour de toi avec qui tu crées un lien d'amitié, vous êtes proches, la relation évolue, et au bout d'un moment, cette affinité disparaît. Et tu te demandes si tu dois couper la relation ou comprendre ce qui se passe dans ton cœur pour continuer cette relation. C'est qu'il m'arrive même de la couper. De ne plus répondre, d'être dans le silence, parce que je suis entre... Je ne sais pas quoi faire, donc je ne fais rien. D'accord, merci. En fait, frère Fapli vient de parler de Donald Trump quand il avait 6 ans, et ce matin, on a eu la méditation sur l'enfant intérieur. Et hier, frère Bienveillance nous a aussi parlé des relations... Et en fait, pour moi, ça m'aide beaucoup de me rappeler que j'étais une enfant et que toutes les personnes qui sont autour de nous, nous avons été des enfants. Et en fait, un enfant, n'importe quel être humain, son besoin instinctif, ça va être d'être aimé. D'être aimé, d'être compris, de se sentir accepté, d'être en sécurité. Mais... les familles parfaites, c'est très rare. Du coup, en fait, on est un petit enfant vulnérable qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être compris, mais on va être mis face à des situations qui ne vont pas répondre pleinement à ce besoin. Comme par exemple, dans mon cas, mes parents sont restés ensemble parce que ma mère était enceinte de moi. En fait, ils n'avaient pas l'intention d'avoir une relation sur un long terme. Et donc, en tant qu'enfant, souvent, j'ai eu le sentiment d'être la cause de toute la souffrance de ma mère qui avait dû abandonner sa vie pour suivre cet homme dans un autre pays parce qu'il était enceinte de quelqu'un qui était moi. Et donc ça, c'est un exemple que je donne pour dire que moi, en tant que petit enfant, dans mon besoin d'amour, j'ai été confrontée à cette souffrance de ma maman et je l'ai portée sur mes épaules toute ma vie. Et dans mon cœur, il y a encore cette petite enfant qui porte cette souffrance. Et en fait, cette petite enfant, que j'en ai conscience ou pas, elle va projeter encore ce besoin d'amour qui est encore là, auquel j'ai pas encore la capacité de répondre pleinement dans toutes mes relations, dans tout ce que je traverse. Et en fait... c'est pour ça que quand j'entre dans une relation, il est très important que je me souvienne que je ne suis pas un être neutre qui va entrer dans une relation. J'ai les souffrances de cet enfant, j'ai mes besoins auxquels je n'ai pas encore la capacité de répondre. J'ai encore des points aveugles, des choses que je ne comprends pas sur moi. Et en fait, toutes les relations que j'ai, ça va être des miroirs de moi-même. De mon enfant intérieur, de mes blessures, de mes points forts, de mes points faibles.
Et bien sûr, au début, quand on entre dans une relation, bien sûr, on peut regarder soit du côté des neurosciences ou de n'importe quel côté. Quand on rentre dans une relation, il va y avoir des substances qui sont générées en nous à un niveau physique et aussi des sensations très agréables au niveau mental qui font qu'il va y avoir une sorte d'adrénaline. On va voir les choses en rose, la personne va nous sembler bien, on vient de commencer la relation, il y a quelque chose de frais, quelque chose d'enjoué. Et au début, on voit juste les plus belles parties de l'autre. Et l'autre va nous renvoyer le miroir des plus belles parties de nous. Et c'est sur cette base que va se créer la relation, surtout si on n'a pas la pratique. Et peut-être qu'en nous, on ne sait pas, mais l'enfant est en train de se dire « Ah, j'ai trouvé la personne qui va m'aimer, qui va me protéger, qui va m'accepter. » Mais on ne sait pas. Mais en fait, il y a cette petite enfant qui est en train de se dire ça dans notre corps et notre cœur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que plus la relation évolue, plus ce sentiment de pétillement du début va se dissoudre, et plus on va entrer en contact aussi avec les aspects de la relation qui pointent les points sombres chez l'autre et les points sombres en nous-mêmes. Et à ce moment-là, ça va être difficile en fait, parce que la magie du début part et on est confronté à quelque chose de difficile. Et moi, dans ces moments, ce que je me dis, c'est vraiment un miroir de ma pratique, en fait, et de là où j'en suis. Et j'essaye de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est pointé en moi que j'arrive pas encore à accepter, que j'arrive pas encore à aimer. Ou alors, quels sont les comportements de l'autre qui vont toucher des choses en moi que j'arrive pas non plus encore à accepter. Et en fait, dans une communauté, on est souvent confronté à ce type de situation parce qu'on vit avec tous nos frères et sœurs et pas seulement avec les personnes avec qui, au début, on a ressenti une affinité, mais avec tout le monde. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte et ce qui m'aide beaucoup, c'est en fait de me voir comme la continuation de mes ancêtres et de voir ma sœur ou mon frère comme aussi la continuation de ses ancêtres et de ses expériences. Et en fait, ça m'aide à pas rester coincé dans des concepts comme gentil, méchant, généreux, égoïste. Parce que je vois toutes ces graines, c'est des choses qui nous ont été transmises par nos ancêtres. Par exemple, un exemple concret, quand je venais d'arriver au village et ma pratique était encore très faible, un jour, une sœur me disait « Tu sais, toi, dès que tu me parles, je sens que tu essayes de me manipuler, tu penses toujours qu'à toi, tu es égoïste. » Et pour moi, ça a été vraiment très difficile de recevoir ces paroles à cette époque parce que dans mon cœur, c'était pas ce qui était en train de se passer en moi. Mais après, justement, j'ai commencé à me demander en fait, qu'est-ce que ça pointe chez moi. Et c'est là que je suis entrée en contact avec mes ancêtres, comme par exemple mon père qui avait été diplomate. J'ai commencé à comprendre que dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, pour faire son travail, il devait parler, agir d'une façon qui allait amener les autres à le suivre, et que c'était ça son travail. Et que moi, en tant qu'enfant, inconsciemment, tous les jours, cette façon d'être m'avait été transmise. Et après, j'ai commencé à contempler ma sœur. Et j'ai vu, elle, ses ancêtres viennent d'un milieu beaucoup plus humble. Et souvent, sans doute, ses ancêtres ont eu l'impression d'avoir été abusés, manipulés par des gens qui représentaient plus des personnes du profil de mon père. Et en fait, là, ce que j'ai vu, c'est en fait tous mes ancêtres et tous les ancêtres de ma sœur sont en train de se rencontrer et naturellement, ça fait un clash. Et moi et ma sœur, on n'y est pour rien. C'est une continuation d'ancêtres. Et bien sûr, et là j'ai pu voir, ok, ce qui chez moi peut-être va donner à des personnes qui ont des ancêtres comme ma sœur le profil de quelqu'un d'égoïste, de manipulateur, c'est ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Et j'ai besoin d'apprendre à le transformer avec la pratique. J'ai pas à me sentir coupable en fait pour ça. Et du coup, c'est juste des expériences que je partage pour
pour partager que donc ma pratique dans une relation, c'est que si je veux la maintenir durable et si je veux faire en sorte que cette relation fasse grandir ma pratique, m'apprenne sur moi et sur l'autre, je vais vraiment devoir développer la capacité de revenir à moi pour prendre soin de mes émotions, pratiquer l'arrêt et pouvoir mettre en place des conditions pour regarder profondément dans le courant de mes ancêtres, dans les blessures de mon enfant intérieur, en moi d'abord et chez l'autre, pour voir tous les mécanismes cachés qui se cachent derrière tout ça. Et pour finir, finalement, donc le fait d'être dans ça, ça m'aide à pas tout petit pas d'avancer vers la compassion, ou ce qu'on appelle aussi dans notre communauté la fraternité et la sororité. Et en fait, ça, ce sont des sentiments qui dépendent plus de l'affinité. Justement, que nos frères ou nos sœurs soient gentils, pas gentils, généreux ou égoïstes, qu'ils soient au début de leur chemin ou pas au début, on apprend à être là les uns pour les autres parce qu'on est ensemble sur ce cheminement en fait. Et c'est pas parce que mon frère est égoïste un jour que je vais plus l'aimer. En fait, on développe une relation qui prend des racines au niveau de la pratique et pas vraiment au niveau de l'affinité. Mais pour moi, je vois que c'est vraiment seulement grâce à la vie en communauté et à la pratique que je peux aller dans cette direction. Parce que instinctivement et émotionnellement, je suis poussée à chercher l'affinité. Et donc pour moi, c'est vraiment un cheminement qui prend longtemps et qui demande vraiment la pratique et une communauté dans laquelle prendre refuge. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question depuis longtemps et là, c'est l'occasion où jamais de le poser en fait. J'ai une question en général. C'est jusqu'à quel âge? Est-ce que j'ai un âge limite pour être moine ou nonne bouddhiste? Deuxième question un peu plus personnelle et je pense que vous allez faire une voyance qui peut me donner la réponse. C'est quoi la recette pour tout quitter, la famille, la vie sociale, pour devenir moine bouddhiste? Parce que d'un côté, en fait, on dit que tu peux très bien faire... En fait, on dit que tu n'as pas besoin de prier, tu peux faire toi-même moine bouddhiste. Mais d'un côté, en fait, la condition que tu vis quotidien avec la famille, avec la vie sociale, tu ne peux pas donner à fond. Et le côté, comment tu fais pour quitter tout ça, tout le lien que tu as, toute la vie sociale que tu as en ce moment, pour faire ce que tu as envie de faire? Chers Thaï, chers amis, merci pour ta question. Avant de passer le micro à Sœur Phung Nim, qui va sûrement être très inspirée. Je la prépare, je sais qu'il faut la préparer. Donc. Elle a posé la question à moi, mais bon, il ne faut pas que ce soit trop personnel non plus quand même. Alors la réponse va être très rapide. D'abord sur ta première question, l'âge limite c'est 50 ans au village des Pruniers. Donc c'est foutu, tu peux lâcher prise de la deuxième question. Mais quand même, si jamais ça t'intéresse, la vie de Frère Bienveillance et comment il a fait avec tout ça, à l'âge de 50 ans, moi je suis arrivé juste au plafond, tu vois, j'ai même un peu baissé la tête sur la fin, pour que ça passe. Et bien, il y a un merveilleux podcast qui a été fait par Emmanuel, qui est ici, qui s'appelle « De chez les fêlés ». Donc si vous avez envie d'écouter un peu plus et de comprendre un peu mieux la vie de Frère Bienveillance, comment il en est arrivé à prendre ce genre de mouvement dans son existence, il y a un magnifique podcast qui a été réalisé par Emmanuel qui s'appelle De chez les fêlés, épisode 13, 14. Je sais plus. Par là, enfin, c'est. Voilà, vous allez trouver Frère Bienveillance ou Frère Dukien. Il doit y avoir un truc dans le titre, c'est autour de l'alchimie, quelque chose. Voilà, enfin bref, vous allez trouver De chez les fêlés. Et là, tu auras toutes les réponses sur une partie des réponses sur la vie de Frère Bienveillance, comment il en est arrivé là. Mais pour toi, c'est relax. Mais il y a une réponse plus profonde.
peut-être je vais passer ensuite le micro à quelqu'un d'autre, mais juste ce qui m'est venu aussi en t'écoutant, c'est qu'on peut être, monastique dans son cœur sans avoir besoin de prendre la forme monastique. Et Thaï raconte d'ailleurs une très belle histoire dans ce livre, L'Art de Vivre, encore une fois, que j'ai lu récemment. Il raconte qu'il y avait un jeune, je crois que c'était un jeune, qui était dans une prison quelque part, peut-être aux États-Unis, et qui avait vraiment ce cœur à devenir monastique, et il était prisonnier à vie. En fait, il avait commis un acte irréversible. Et en fait, il a pris les vœux monastiques lui-même. Il s'est transmis les vœux monastiques lui-même, alors sur la base, effectivement, de l'enseignement du Bouddha et de Thaï. Et ensuite, il a vécu sa vie monastique. Et il a écrit à Thaï. Il a raconté ça à Thaï. Et Thaï raconte ça dans ce livre. Donc ça veut dire que, là aussi, il n'y a pas de limite. Si je sens dans mon cœur que j'ai envie de prendre des vœux qui sont similaires à ceux que nous pouvons prendre en tant que monastique et choisir un mode de vie qui s'en rapproche, la première étape, c'est de recevoir les 5 entraînements. C'est demain matin. Donc si jamais vous ne les avez pas encore, et si vous les avez encore, vous pouvez ensuite aspirer à recevoir les 14, et ainsi de suite. Et vraiment chérir cette aspiration profonde qui est d'incarner dans sa vie quotidienne de la délicatesse, de la présence, de la bienveillance, de la conscience, comme vient de l'exprimer très joliment notre sœur Humanité, de ce jeu de miroir et de comment je prends soin de mes propres émotions. Et je vois que déjà dans ta pratique, c'est présent. Hein, quand je t'ai croisé et qu'on s'est salué, j'ai senti quelque chose de cet ordre-là. Oui, en fait, on dit monastique dans le cœur, c'est facile à dire. C'est facile à dire. En fait, c'est pas ça, je veux dire. Mais quand on a une vie famille, une vie sociale, on peut pas faire comme on veut, en fait. C'est ça. Des fois, t'as envie de méditer, ben non, il y a d'autres choses. C'est ça, je veux dire, des petits exemples comme ça. Mais ce que j'essaie de le faire tous les jours, d'ailleurs. Mais oui, maintenant, je sais qu'à partir de 55 ans, c'est fini. 50. Oui. Tu sais ce qu'elle vient de me souffler, ma soeur, elle me dit, mais dans la communauté c'est pareil, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. C'est quand on va aller méditer qu'il faut aller faire la cuisine ou faire les toilettes. C'est pareil en fait. Ça semble différent, mais en fait c'est assez semblable. Alors peut-être quand même, est-ce que notre grande sœur veut partager quelque chose ou frère Valentine, qui serait inspirant pour notre ami. J'ai famille bien-aimée. Aujourd'hui, je pense que je peux échapper parce que nous sommes très nombreux, mais en fait, je ne peux pas. mon père, il est moine aussi, mais il est ordonné après moi. Elle m'appelle la grande sœur. Son aspiration devient moine depuis longtemps, quand j'étais toute petite. Le maître de mon père n'accepte pas parce qu'il pense que mon père ne peut pas quitter la famille comme ça pour devenir moine. Et ne pas avoir la chance de s'occuper des enfants. Et aussi, il faut attendre plusieurs années. Et comme tous les enfants, nous avons trois, tous les trois enfants déjà grandi. Mes soeurs sont mariées et moi, je choisis un autre chemin pour être nonne. Et à ce moment-là, mon père sont libre de quitter ma famille. Parce que si on veut quitter la famille, mais on est encore beaucoup de choses dans la famille. Notre cœur est dans le monastère.
mais notre esprit est chez nous. Ce n'est pas facile pour pratiquer 100% comme un non ou un moine. Nous sommes asiatiques, nous sommes un peu différents que vous. Parce que quand les personnes qui vivent en Asie quittent la famille comme ça, il y a beaucoup de blâmer, beaucoup de juger avec lui ou avec elle. Parce que nous sommes très proches, nous ne sommes pas interdépendants comme ici. La façon d'une personne affecte beaucoup de personnes dans la famille. Et mon père, il est très content. Il était très content d'être un moine. Quand ma famille tout accepte et soutenir de, et lui soutenir pour que suivre son chemin. Et je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi on a limite de l'âge comme ça. Parce que dans le passé, on a déjà donné beaucoup de locations, beaucoup de soutien pour les amis qui sont hauts de 50 ans. Et ensuite, on a reçu beaucoup de l'expérience dans la vie de monastique. C'est pas facile pour les gens un petit peu âgés parce que notre emploi du temps très dense. Très dense toute la journée. Et nous sommes beaucoup de jeunes. Et la mentalité des jeunes est différente des personnes âgées. Et j'ai quelques jeunes sœurs âgées qui vivent avec moi au début. Elles sont très contentes. Elles sentent qu'elles peuvent satisfaire son aspiration. Et elle peut vivre heureusement dans quelques mois. Et après ça, grâce à cause de la santé, de leur santé, à cause de leur adapté de l'environnement jeune comme nous, elle ne peut pas continuer. Mais elle doit quitter la Sangha. Pour elle, c'est mieux de vivre la vie de lake. Elle veut continuer son chemin qui accorde sa santé. Et j'ai déjà témoigné beaucoup des amis laïcs qui est au AI, qui est la membre d'Inter-Être, qui est la Dhammacaya. Et il a pratiqué très très bien. Bien que nous. Mieux que nous. On a une phrase que c'est plus facile de pratiquer dans le monastère. Nous avons choisi le chemin plus facile. Oui, mais quand vous pratiquez très bien dehors, vous pouvez aider beaucoup de personnes parce que vous comprenez mieux que nous la situation dehors. Et les monastiques, on vit dans le monastère, on ne peut pas sortir beaucoup. On ne peut pas aller n'importe où. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez aller avec l'énergie de pleine conscience, l'énergie de pratique, et vous pouvez diffuser beaucoup de personnes autour de nous.
C'est pour ça qu'il faut compter la valeur de pratique comme on est monastique ou on est laïc. C'est, pour moi, ce n'est pas différent, c'est toujours la même. Yeah. Le plus important, c'est la qualité de pratique. Qu'est-ce qu'on portait? On amène la pratique avec nous ou non, c'est très important. Et et les amis laïcs qui peuvent nous joindre pour la retraite de 3 mois au village de Pougny, ou 1 an ou 2 ans, comme vous voulez. Le village de Pougny est toujours ouvert pour toutes les personnes. nous sommes monastiques, mais nous vraiment besoin de votre présence, votre pratique. Thay nous a dit que dans la communauté forte, il faut avoir 4 membres de 4 membres, les laïcs hommes, les femmes, les moines, les moyennes. On peut soutenir mutuellement. Yeah. Si tous deviennent monastiques, et qui est dehors? L'année passée, au Hameau du Haut, chez les frères, pour la retraite de 3 mois, on avait plus d'amis laïcs que de monastiques. On avait 70 amis laïcs qui étaient là pour 3 mois, qui ont fait toute la retraite quasiment, enfin certains un tout petit peu moins. Et nous, on était 60 et quelques monastiques. Donc, on est content quand vous êtes là. Alors, notre frère veut aussi partager quelque chose. Cher Thay, chers amis, j'en profite aussi de me glisser pour répondre à cette question. parce que ça me parle pas mal, cette idée de devoir tout lâcher pour entrer sur le chemin spirituel. Et je remarque souvent, c'est un peu la grande question. Est-ce que je vais arriver à tout lâcher? En fait, quand je contemple ça, je me dis, si c'est si désirable, toutes ces choses que je ne veux pas lâcher, pourquoi est-ce que j'ai même l'idée de vouloir les lâcher, en fait? Et je trouve que ce n'est pas une contemplation. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus quel maître l'a dit, mais elle va comme ça, elle dit, personne aime la souffrance, mais tout le monde aime les causes de la souffrance. Et je remarque que c'est assez vrai, en fait. C'est assez vrai. J'aime pas souffrir, mais j'aime les choses qui me font souffrir, parce que je ne me rends même pas compte. Et il y a une contemplation que le Bouddha nous a donnée qui me parle beaucoup, et qui nous dit d'abord de contempler les choses dans le monde qui sont, soi-disant, désirables. Elles nous apportent un certain plaisir. Il reconnaît qu'il y a un certain plaisir dans les plaisirs des sens. Et c'est très vrai, et ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça, de me dire « Ah, d'accord ». Le Bouddha aussi était un être humain, il pouvait voir qu'il y avait un certain plaisir qu'il a lui-même expérimenté. Mais il dit, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Alors il peut nous faire des listes très très longues. Hein. Et toutes ces choses qui ne durent pas, qui demandent beaucoup beaucoup d'investissement en temps, en énergie pour pouvoir les acquérir. Et il dit que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un échappatoire à ça. Et l'échappatoire, c'est la pratique. C'est simplement le 9 sur 10 octobre, comme on a entendu parler hier ou avant-hier. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'essaie en tout cas, moi, de pratiquer. Quand je suis arrivé au village, et surtout quand je me suis ordonné, j'ai vu mon esprit qui commençait surtout à réfléchir, à voir tout ce que je ratais. Le fait d'être devenu moine. Ah, maintenant, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus avoir ça, je ne peux plus voir ça. Et ça me causait pas mal de souffrance, en fait. Et le fait de pouvoir contempler, de me dire, dans ces choses-là, il y a un certain plaisir, il y a un certain bonheur, mais il y a aussi tout un package de souffrances qui va avec. Et ça m'a beaucoup libéré. Donc maintenant, quand je vois ces pensées qui remontent, j'essaie de contempler toutes les bonnes choses en fait, que j'ai maintenant, depuis que je suis moine, tous les avantages que j'ai en fait. Il y a ça, tout le stress que je m'évite. Et du coup, ça m'aide à continuer dans ma pratique. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Suivante. Quels effets produit le mensonge dans l'invisible sur celui qui ment?
quels effets produit le mensonge dans l'invisible sur celui qui ment et sur celui ou celle qui ne sait pas qu'on lui a menti. Et enfin, sur leur relation. Donc, quels sont les effets du mensonge sur celui qui ment, sur celui à qui on a menti, et sur la relation entre les deux. Donc, cher Thaï, cher Sangha, en fait, en écoutant cette question, j'ai l'image de mon papa qui est venu dans mon cœur. Donc, j'aime beaucoup mon papa. Et il a beaucoup menti à ma maman. Et il l'a fait beaucoup souffrir. Et pendant de nombreuses années, il avait des relations avec d'autres femmes. Et donc, bien sûr, ça l'amenait à mentir à ma maman. Et donc, ça amenait ma maman à souffrir beaucoup. Et donc, mon père et ma mère à se disputer beaucoup. Et les enfants à être victimes de ces vagues de colère et de désespoir très fort. Et je me souviens que mon frère et moi, souvent, on s'échappait en courant et on allait s'enfermer quelque part pour pas entendre mon père et ma mère qui se disputaient. Et donc, on voit dans une famille l'effet du mensonge sur, sur une famille tout entière. Et alors après, j'ai essayé de comprendre mon père, et je me suis dit, pourquoi mon père mentait à ma maman? Et pour, en fait, qu'est-ce qui se passait dans toute cette relation? Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, mon père souffrait beaucoup, lui aussi, dans la relation avec ma mère. Par exemple, j'ai commencé à voir que, en fait, ma mère était quelqu'un de, qui venait d'un niveau social un peu plus élevé que mon père. J'étais très belle, très intelligente. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que mon père ne se sentait pas respecté par ma mère. Il ne se sentait pas assez intelligent face à ma mère. Et du coup, dès qu'il essayait d'entrer dans une relation intime avec ma mère, le sentiment, le complexe d'infériorité se manifestait très fort en lui. Et du coup, il a eu besoin d'aller chercher une relation d'amour, de respect chez d'autres femmes. Et donc, bien sûr, ça l'a amené dans un cercle vicieux. Il a dû se mettre à mentir à ma mère, etc. Donc, pour moi, donc dans cette question, il y a déjà la compréhension que le mensonge, ça va avoir un effet pas seulement sur ce qu'on appellerait en apparence la victime du mensonge, mais sur la personne qui ment en elle-même, qui ment d'abord. Parce que je pense que nous tous et toutes, si on est sur ce chemin, c'est qu'on a une aspiration éthique. Et pour moi, je vois qu'un des bonheurs les plus profonds que je peux sentir, c'est quand je me sens en paix dans mon cœur, dans mon esprit, quand je sens que j'ai rien à cacher. Et en fait, je vois très vite que quand je sens que j'ai quelque chose à cacher, que j'ai plus une relation transparente avec moi, ma sœur, moi, mes sœurs, moi et la communauté, il y a beaucoup d'instabilité, d'agitation intérieure qui viennent dans mon cœur, dans mon esprit. Et c'est très, très inconfortable. Et quand j'ai commencé à observer mon père de plus près, j'ai vu qu'il y a une agitation intérieure très forte chez mon père. Parce que justement, il n'y a plus cette pureté, cette intégrité. Il y a beaucoup de regrets, un poids vraiment lourd, en fait. Et du coup, je vois que celui qui ment souffre beaucoup. Et en fait, je vois que moi-même, des fois, il m'arrive de mentir sur des choses très petites. Et je vois qu'à ce moment-là, si je mens, c'est parce que j'ai honte d'un comportement que je viens d'avoir, en fait. Et comme j'ai honte, j'arrive pas à l'accepter. Et pour moi, c'est impossible, du coup, de le dévoiler à d'autres personnes. Et du coup, je vais mentir sur quelque chose de très simple.
Et comme par exemple, sur quoi je pourrais mentir, comme ça m'arrive. Hein. Mais bon, maintenant la bonne nouvelle, c'est que je m'en rends compte et après je vais voir mon frère et ma sœur pour lui dire pardon en fait et lui dire ce qui se passait à ce moment-là. Mais comme par exemple, en fait, ça va être un mensonge subtil pour donner l'impression que j'étais quelqu'un de meilleur dans mon cœur que mon intention réelle à ce moment-là. Comme par exemple, c'est un exemple, là je suis désolée, j'ai pas d'exemple concret, mais quelque chose que je pourrais faire, c'est par exemple si ma sœur arrivait et me disait « Ah, j'avais laissé des chocolats sur la table ». Est-ce que tu les as vus? Et peut-être que là, en fait, je sais que c'est moi qui ai mangé ces chocolats. Dans mon cœur, en fait, là, sur le moment, j'ai trop honte, en fait. Du coup, au lieu de dire à ma sœur, par exemple, « Ah, en fait, ces chocolats, je les ai mangés », par exemple, je vais dire « Ah, en fait, la dernière fois que je les ai vus, c'était à midi. » Et en fait, à midi, ce qui s'est passé, c'est que je les ai mangés. Du coup, après, je les ai plus vus. Et je dois dire que ce genre de petit truc, ça m'arrive encore, même en tant que ça, en fait. Et je vois clairement... Et en fait, je vois clairement que vraiment, ce qui se passe, c'est que, en fait, à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai trop honte, en fait, de mon comportement. Du coup, la meilleure chose que j'arrive à faire, c'est de mentir subtilement, parce que je suis rusée. Et donc, en fait, en tant que monastique, j'observe de plus en plus mon esprit dans les subtilités et j'arrive à voir les racines de, par exemple, le mensonge ou d'autres actions qu'on dit pas très gentilles dans la société. Et en fait, le fait de voir ça, ça me met en contact avec la souffrance de celui qui va mentir ou qui va faire des choses comme ça. Après, pour les deux autres questions, l'effet du mensonge sur celui qui ne sait pas qu'on lui ment et sur leur relation, pour moi, ça dépend vraiment de la pratique de cette personne. Parce que bien sûr, quelqu'un qui est victime du mensonge, si par exemple, comme moi par exemple, ma pratique est encore faible, ça risque de m'affecter fortement. Donc, par exemple, dans le cas de ma mère qui du coup a été dans la colère, le désespoir et ça a ravagé toute une famille. Mais si la personne à qui on ment a assez de compréhension et de compassion dans son cœur, elle va être capable peut-être de voir la souffrance dans la personne qui ment. Et en fonction de la profondeur de sa pratique, elle va pouvoir commencer à observer cette personne, comprendre sa souffrance et voir comment l'aider en fait. Et moi, je me rends compte qu'il y a certaines de mes sœurs à qui je ne mentirai jamais. Et en fait, je vois que vraiment, à ces sœurs, je ne leur mentirai jamais parce que je sais que quoi que je fasse, elles auraient la capacité de comprendre, de m'accepter et de me montrer comment sortir, comment aller de l'avant. Et en fait, là, dans mon cœur, je pense à sœur Dini, pour ceux qui la connaissent à mon nouveau. Et je vois qu'il y a des personnes comme ça. J'ai vraiment confiance en leur compassion. Et je sais que même si à un moment j'ai des comportements égoïstes ou vraiment pas gentils du tout, je sais qu'elles pourraient comprendre parce qu'elles verraient mes ancêtres, elles verraient ma souffrance, mon enfance. Elles pourraient m'accueillir avec un cœur d'amour et me dire « Regarde, ensemble, on va sortir de ça. Ensemble, on va comprendre, on va voir d'où vient cette souffrance, c'est pas toi. Et je te promets, si tu continues à pratiquer, si tu le fais de tout ton cœur, ça va se transformer. » Et en fait, ça me fait voir que vraiment, ce dont j'ai le plus besoin quand je suis dans ces espaces sombres de mensonges, de souffrances, c'est d'avoir quelqu'un qui est là, en fait, qui voit par-delà ce mensonge, cette souffrance, cet égoïsme, et qui me dit « Je vais t'apprendre, je vais te faire voir d'où cela vient. » Et je vais te montrer comment tu peux toucher quelque chose de plus lumineux en toi et te libérer, toi et tous ces ancêtres. Et en plus, on va le faire ensemble. »
Et du coup, je sens qu'en tant que pratiquant, si on a assez de compassion, de compréhension, et qu'on peut offrir ça à quelqu'un, c'est le cadeau le plus beau, parce qu'on offre un chemin de guérison, de transformation, d'éveil à n'importe qui. Voilà, et je ne vais pas parler trop longtemps, mais il y a beaucoup d'histoires sur le Bouddha qui ordonne des criminels, des êtres qui créent énormément de souffrances autour d'eux. Et avec sa compassion, le Bouddha a transformé ces êtres complètement immoraux, qui avaient violé, tué, menti, en des personnes vertueuses. Et c'est la compassion du Bouddha. Mais bien sûr, moi, je n'en suis pas du tout là. Donc, quand mon frère me ment, on a le renouveau. Donc, c'est aussi, en fait, à chacun de voir où j'en suis sur mon chemin. Et bien sûr, si là, je sens que cette personne, apparemment, elle me ment, ça fait plusieurs fois, et que là, vraiment, j'ai atteint mes limites, je dois reconnaître, là, j'ai atteint mes limites. Mon cœur d'amour, là, c'est plus du tout un cœur d'amour. Et j'ai besoin de trouver une solution. Et dans ce cas-là, je verrai, est-ce que la solution, ça va être directement avec cette personne, ou si c'est pas encore, les conditions ne sont pas encore là, d'aller trouver un tiers. Et par exemple, c'est pour ça, tous les pratiquants, membres de l'Internet, enseignants, c'est aussi leur rôle. Quand il y a un conflit, aller se tourner vers une troisième personne qui va pouvoir être le médiateur, aider à régler la situation. Donc en fait, tout... Il y a des pratiques pour tous et toutes, dépendamment de là où on en est sur notre chemin. Et bien sûr, c'est aussi important de savoir où sont nos limites. Mais moi, ce que je garde toujours à l'esprit, c'est que quand il y a de la colère en moi, du désespoir, une personne que je n'arrive pas à accepter, dans mon cœur, je me dis toujours, et c'est très clair, ok, c'est vrai, cette personne, je ne l'accepte pas, je n'y arrive pas, mais c'est parce que ma pratique est encore très faible. Parce que mes ancêtres m'ont transmis des graines encore très fortes que je n'arrive pas à embrasser. Et je prends toujours un moment pour me rappeler ça. Ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de ma pratique qui est très faible. Et quand je mens, quand il y a quelqu'un que je n'accepte pas, quand je dois dire non, ok, là, c'est un acte de compassion envers moi, parce que je suis faible. Mais ce n'est pas à cause de l'autre. Merci. Cher Thaï, cher Sangha, j'embrasse mon stress. J'avais une question, même si tu m'as en partie d'y répondre, je sens qu'il y a des réponses qui ont germé. Ma question, c'est comment on fait pour accepter d'être sur ce chemin de la compréhension de soi, de l'acceptation de l'amour, de la joie, quand notre entourage proche, et je ne parle pas de ma famille qui habite loin de moi, je parle de mon entourage proche géographiquement de moi, de mon cercle d'amis, de mon conjoint et des personnes que j'aime. Comment on fait pour accepter que ces personnes-là ne soient pas du tout sur ce chemin? Et comment on fait pour à accepter cette lourdeur qu'on peut ressentir parfois sur ses épaules, de porter toute la responsabilité, de faire le travail sur soi, et d'avoir ce sentiment aussi qu'on, parce que nous on fait ce travail, certaines personnes s'autorisent à nous alourdir encore plus. Ce que j'entends dans ce que tu partages, Anna, et merci d'amener ça, j'entends que tu vis dans un environnement avec des amis et un entourage de personnes qui, selon ta perception, ne sont pas sur le chemin. Je nuance un tout petit peu. Déjà, j'avais des éléments de réponse. En tout cas, ils ne sont pas sur le chemin. Voilà, c'est comme ça que tu l'as dit. Ils ne sont pas sur le chemin. Et comme moi, je suis sur le chemin, moi, Anna, je suis sur le chemin, je me fais alourdir par ceux qui ne sont pas sur le chemin. J'ai pas trop déformé. Tu as
En effet, il faut apporter quelques nuances. pas sur le même, ou en tout cas pas au même endroit du chemin, ou pas celui que moi, sur lequel j'imagine être. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, il y a une autre question. Alors, je veux bien commencer, puisque maintenant que j'ai reformulé la question, ça m'inspire aussi. Et merci d'avoir accepté que j'ai légèrement déformé ta question pour amener directement des éléments de réponse, c'est-à-dire, très clairement, ce sont mes perceptions. Et dans ce que j'entends, il y a déjà une forme de comparaison, d'évaluation, de qui est sur le chemin et qui ne l'est pas. Et là, il y a un piège énorme. Énorme. Qu'est-ce qui me fait dire que l'autre n'est pas sur le chemin ? De quoi je parle ? Est-ce que parce qu'il n'est pas un pratiquant ou qu'il n'a pas en apparence peut-être fait de travail sur lui, je crois que tu as utilisé ça aussi comme notion, est-ce qu'il n'est pas sur le chemin ? Donc je suis moi très vigilant avec ce genre de perception qui émerge dans mon esprit et elles émergent aussi dans mon esprit, hein, donc c'est pour ça que je comprends bien ta question. Et moi, j'aurais tendance à t'inviter à une contemplation plus profonde, en fait. Qu'est-ce qui me fait souffrir dans cet environnement ? Qu'est-ce qui me manque ? Par exemple, est-ce que je n'ai pas réussi à trouver dans cet environnement quelqu'un qui sait m'écouter profondément ? Quelqu'un qui peut être là pour moi quand j'en ai besoin. Et peut-être que c'est une invitation à se définir encore un peu plus en termes de qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation à mon conjoint, dans la relation à mes amis. Et souvent, je remarque une chose, en fait, c'est que c'est souvent par l'exemplarité que les choses fonctionnent le mieux, et par mimétisme. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi au village des pruniers. C'est-à-dire que si moi, je me rends disponible, et que je suis à l'écoute, comme j'ai partagé hier, mais en prenant bien soin de ne pas récupérer sur mes épaules la charge de l'autre, hein, j'en ai parlé hier, je pense que tu étais là, Anna, hier, ouais. En disant que vraiment c'est très très important, cette conscience que je ne suis que du vent, donc je laisse les choses circuler. Et le vent n'a pas peur de la tempête, n'est-ce pas ? Il est la tempête, donc lui, ça circule, ça passe. Donc si moi je suis en capacité, encore un peu plus, d'être libre finalement de ce que l'autre va déposer ou me dire, un peu à l'image de ce que notre sœur a partagé justement, eh bien je vais montrer à l'autre en fait que c'est possible. Je vais lui faire sentir ce que c'est que cette qualité de présence. Et peut-être il va s'intéresser, il va dire, mais ça vient d'où ? Comment se fait-il que toi, Anna, tu sois si disponible ? Si souriante, si aimante, si bienveillante. Bon, ça vient de ton papa et de ta maman, évidemment, mais... mais pas seulement. Et peut-être que d'un seul coup, ils vont se dire, tiens, waouh, quelle est donc la recette ? Quel est donc le secret de cette qualité d'être ? Pour avoir eu la chance de marcher derrière Thaï, Thich Nhat Hanh, d'avoir eu la chance de m'asseoir à côté de lui quand on arrivait sur le champ des Bouddhas au Hameau du Haut,
J'ai pas eu besoin qu'il m'explique quoi que ce soit. En fait. C'était tellement intense, l'expérience physique, concrète, mentale, spirituelle, l'expérience de cœur à cœur, d'une qualité de présence, que à l'intérieur de moi, ça fondait comme une neige au soleil, c'était comme un truc qui coule. Et d'un seul coup, c'est libre. Instantanément libre. Donc tu as ce pouvoir. Ne le sous-estime pas. En fait. Et c'est pour ça que tous nos jugements de comparaison sont des parasitages. En fait, plus je les laisse circuler, moins je m'attache à ça, mieux c'est. Le pire, c'est de dire non, je peux pas lui faire, je peux pas pratiquer le renouveau avec cette personne, c'est pas une pratiquante. Ça, c'est le pire. C'est une perception complètement erronée. Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer? Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de lui dire d'arroser ses fleurs et de voir qu'est-ce que ça fait? C'est mes peurs, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas être reçu. J'ai peur peut-être d'être rejeté de cette tribu, de cette relation. Et c'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Et probablement dans ton environnement, comme dans l'environnement de beaucoup d'entre nous, on voit tellement de souffrances, on voit tellement de gens qui sont perdus, que c'est pas facile de rester centré et de ne pas se perdre soi-même. C'est pour ça qu'on a besoin d'un corps de dharma, d'un corps de sangha et d'un corps de bouddha, qu'on a besoin de s'entraider, effectivement, pour garder la foi dans notre capacité à être des êtres aimants, joyeux, bienveillants, disponibles. Et comme je l'ai dit hier, tout en respectant aussi nos limites, parce qu'il y a des moments où c'est pas possible. Donc il y a des moments où c'est peut-être préférable d'aller dans la forêt, et je sais que tu aimes les animaux, d'aller auprès des animaux. Chère famille, pour moi, quand on pratique la méditation, on évite de... devenir quelqu'un d'autre. La façon de vivre comme d'habitude, et c'est plus facile pour laisser les personnes autour de nous accepter. Mais notre présence pour les gens qui nous entourent, c'est contient beaucoup de qualité de votre présence. J'ai vu beaucoup de personnes qu'on aime la pratique de méditation marcher, et on marche très long, et la façon de marcher très bizarre. Et ça pose beaucoup de créer beaucoup de questions pour les gens. On veut garder la pratique en nous-mêmes quand je me souviens quand je suis retournée à ma maison pour la première fois. Et parce que la pratique qui m'aide beaucoup, qui m'a aidé beaucoup, et je crée beaucoup de choses pour ma famille, pour partager la pratique beaucoup, beaucoup, et encourage ma famille pour pratiquer ensemble. Mais c'est pas facile parce que je vis dans la monastérie, et ma famille n'est pas
avoir cette occasion. Et quand je pousse ma famille comme ça et tout le monde arrête et que la somme devient difficile. Et j'ai appris ça, et pour la deuxième fois, je ne dis pas, je pratique, je garde la pratique en moi-même. Et quand je marche naturel, c'est pas trop long. Cette image, c'est pas beaucoup différent que ma famille qui me voit avant. Et quand je mange comme d'habitude, mais en ce moment-là, je suis consciente de carottes, de tofu, de légumes dans mon plat. Et quand je grappe les personnes, je regarde avec ma compassion, ma compréhension, et mon énergie devient plus calme, plus léger. Et ça, ma famille m'a demandé. Et je peux expliquer, je peux partager ma pratique. Et c'est pour ça on peut pratiquer comme d'habitude, on peut vivre comme d'habitude, et on ne veut pas devenir quelqu'un d'autre. Et comme quelque chose qui se lève dans la situation difficile, qu'est-ce qu'on peut accueillir, qu'est-ce qu'on peut pratiquer, qu'est-ce qu'on peut être là comme un pilier dans la maison. Et tout le monde autour de nous peut goûter notre présence très paisible, très calme, très léger. Quand on veut garder la pratique quotidienne, on peut prendre beaucoup d'aspiration de continuer de pratiquer. On peut signer le contrat de parking lot à l'endroit que on travaille. Pour la marche méditative, pour laisser tous les soucis, toutes les pensées par la terre. Et quand on rentre à la place qu'on travaille, on est plein de fraîche, on est plein d'énergie, de calme. Notre entourage peut savourer notre qualité de présence aussi. Et c'est pas facile aussi, c'est pour ça on peut rappeler à nous-mêmes, on peut rappeler, ok, peut-être il y a quelqu'un qui ne me comprend pas, et on peut continuer la pratique. On ne veut pas comment, give up, abandonner. Yeah. Et on cultive notre patience pour que
pour laisser les personnes qui peuvent nous diffuser la pratique. Si quelque temps difficile, on peut retourner, on peut revenir à la sangha, pour prendre refuge et pour partager nos difficultés. Merci.